Hey, salutations les kikis, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau jeu dans ma playlist à moi bien évidemment, je vous laisse voir ça en images. Régalez-vous les kikis. Franchement, quand vous voyez ça, vous dites c'est propre. Un monde qui fait envie. J'y ai joué hier une petite heure environ. Alors oui, c'est pas ce que vous voyez là-haut, il y a marqué jouer 1 minute, mais c'est juste que je me suis amusé à changer les voix parce que les voix françaises elles puaient la merde. J'ai essayé les voix anglaises, c'était pire. Il n'y a que les voix japonaises sous-titrées françaises qui valaient le coup. J'ai baissé le volume du jeu, mais je vais quand même le baisser encore un peu. Parce que vous savez, j'aime pas trop que ça crie dans mes oreilles. Donc vous voyez, c'est celle-là où j'ai fait 1 heure de jeu. Hop, on va supprimer la sauvegarde et on va démarrer une toute nouvelle game avec vous. C'est un jeu alors qui ressemble, mais on en parlera un peu plus tard, mais qui ressemble, c'est à mi-chemin pour moi entre un Final Fantasy et un Diablo, donc franchement tout est réuni pour me plaire avec des attaques au tour par tour. Ça me plaît bien ça. Allez, c'est parti. Voyons ça de plus près.偉大な戦士、そして民衆のリーダーであったアラムスが姿を消してから多月日が流れた。後に残された彼の小手には計り知れないほどのパワーが眠っていると言われる。伝説によれば山をも動かすほどの力があるという。もう一つ彼が残したものがある。それは娘のガリーだ。父の小手を見つけた彼女は重要なターゲットとなってしまうが、それは彼女を守る仲間たちとの出会いも意味していた。頭脳と力を兼ね備えた魔術師ノラン、口が達者でウィットにも富んでいる。ノランと行動を共にするカリブレッドは凄まじい力を持つウォーゴーレムだ。ギャリソンはアラムスのかつての戦友であり、親友の忘れ形見を守ることを自らの使命としている。 そしてならず者のレッドモニカ、気分屋でいつもフレンドリーとは限らない。コテのパワーを手に入れようとたくらむ者たちからガリーを守りながら、4人はキャピタルランドを移動した。この世界の魔術やテクノロジーにとってなくてはならないマナ、それについて知ることを自らの使命としているノランと共に、一行はクレセントアイランドという謎の地に足を踏み入れた。そこには
Voilà les Kiki, la présentation de ce jeu qui, ma foi, me plaît beaucoup graphiquement. Moi qui suis un plutôt fan des mangas. Il me rappelle vraiment le niveau graphisme, le manga Radiant. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Un manga français qui a été réalisé par un français et qui est vraiment excellent d'ailleurs. Bon, avec un humour parfois un peu lourdeau, bien francophone, mais je suis le premier friand de ce genre d'humour un peu lourd. Donc, ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Alors, pourquoi je disais un mi-chemin entre... ce que je connais, hein, parce que bien évidemment je ne suis pas un professionnel, j'ai pas les bons termes pour vous les expliquer, mais pour moi c'est un mi-chemin entre Final Fantasy et tout simplement Diablo, par rapport au fait justement que il y ait des quêtes, par rapport au fait que nous ayons tout un tas d'armes à améliorer ou des choses voilà, qu'on puisse récupérer. Et en même temps Final Fantasy car il y a de la magie, du mana, ça c'est le côté un petit peu radiant justement. La référence au manga dont je vous parlais. Il y a le fait que il y ait également voilà, des personnages très fantaisistes à mon goût. J'aime beaucoup cet esprit là, c'est ce que j'aimais dans Final Fantasy 9 et que j'ai toujours un peu moins aimé dans Final Fantasy 7, 8 et je dirais après ceux qui sont sortis par la suite, c'est-à-dire notamment le 13 et puis jusqu'au 15 finalement, avec beaucoup trop de... beaucoup trop à mon sens de robots, etc. Là vous me direz il y a bien un golem, mais globalement chaque personnage amène un peu sa petite touche particulière et ça j'aime bien. Il y a un vrai univers, voilà ce que je reprochais au dernier Final Fantasy et que je ne retrouve pas ici, ce qui me fait bien plaisir. Alors je vous l'assure, hein, j'ai testé les autres voix. Français c'était impossible, au bout de 30 secondes j'en avais déjà marre. Je sais pas pourquoi, mais on est vraiment pas doué pour doubler les voix en français, je vous jure. Il y a très peu de personnes qui arrivent et qui offrent un rendu assez intéressant. ギャリソンは、モニカは?ギャリソンも同じく、ポータルに入れました。モニカとノランは見当たりません。じゃあ探しに行かなきゃ。きっと怪我してるわ。ギャリソンがすでに探しに出かけました。まだ動かない方が良いのでは。ちょっと暗くらするけど、こうしてる暇はないわ。私なら大丈夫。もう少し怪我の治癒を。それからギャリソンを追いましょう。 Ok, il a rejoint le groupe, donc vous voyez, hop, je peux basculer de l'un à l'autre. Ok. Donc vous voyez, je prends celui-ci et j'ai la possibilité d'activer son pouvoir. Et ça a permis de régénérer mon personnage.
qui, je vous l'accorde, le fait que ce soit une fille ou un garçon n'est pas évident au premier abord. Les cheveux longs ne font pas tout dans ce genre de d'événement. Alors j'ai un pouvoir ici aussi, je peux taper du poing sur la table. Mais je l'ai pas encore exploité celui-là. Je vois pas trop l'intérêt de le faire en dehors des combats. Ah, il bougeait, c'est pour ça. Alors on va ramasser tout un tas d'objets intéressants. Donc après on pourra faire de la revente, équiper des armes plus intéressantes par exemple. On lit aussi beaucoup de notes, de documents, on trouve pas mal de petites choses. Enfin, en tout cas c'est ce que je peux dire après une heure de jeu. Cette nuit-là, j'ai compris trop tard ce qui arrivait à Rachel, j'imagine. Elle m'observait comme si elle ne m'avait jamais vu avant. Je me suis fait étriper avant que de pouvoir réagir. C'est arrivé quand on a trouvé ce malin dans cette faille. Je n'aurais pas dû la laisser s'en approcher. Fatigue, il fait sombre. Ah, ça tombe bien, on est venu chercher des explications par rapport au mana. Là, vous voyez, par exemple, je viens de trouver justement une tunique. Donc, on va avoir niveau équipement. Allez, bougez pas, faut que je m'habitue aux touches. Alors, équipement, tenue de voyage, on peut le remplacer par la tunique des terreurs trempées. Alors, on perd un peu en santé, on perd en endurance. Par contre, on va gagner en défense physique et magique. Alors, ma foi, on va le tester. Rien ne nous empêche un peu plus tard d'y arriver. On est au début du jeu, on a quand même une bonne dose de protection. D'ailleurs, on voit les compétences que je vais avoir au combat. Défense, attaque directe, tir de grenaille, protection. Des capacités, là c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, choc tellurique. Applique brièvement l'effet étourdissement à tous les ennemis proches, l'étourdissement se poursuit pendant le combat et le coup brise les murs fragiles. Ah, ça c'est pas mal. Je ne l'avais pas lu la fois précédente. On va quand même jeter un coup d'œil à l'autre, revitalisation, on a vu à quoi ça servait. Compétences passives augmentent la puissance de soins de 10%. Et les compétences au combat. Matrice défensive. Ok. Coup au ventre. Annihilation. Et enfin, vague guérisseuse. Ce qui va bien nous aider quand on sera à plusieurs à se bastonner. Bon, il n'y a manifestement plus rien à faire ici. On a récupéré la tunique. On va ressortir de cette petite pièce secrète et on va essayer de rejoindre ce qui se trouve en haut. J'aime beaucoup, comme je vous disais, les décors, je trouve que voilà, ils sont assez sublimes. Bon, c'est typiquement ce genre d'univers qui m'attire dans un jeu fantasy. Ah, il y en a un qui a la morve qui dégouline visiblement. Et on passe à un premier mode combat. Ce qui va nous permettre de tester et le golem et en même temps la pille au gantelet magique. Alors du coup, face à de petits adversaires, on va attaquer tranquillement avec des coups au ventre. Vous voyez, ça donne un petit bonus de 10 en surpuissance, ce qui est plutôt intéressant. Avec lui, on va faire un petit... Non, on va attendre le second tour, on va faire un tir direct aussi. Parce que ce type plus 10 de surpuissance va vous permettre d'utiliser votre... D'utiliser un peu moins votre mana, puisque ça va faire un petit peu office de mana. On va tester tout de suite avec le système d'annihilation. Et lui, le tir de grenaille, si nécessaire. Et tiens, mange! On gagne de l'expérience qui va nous permettre de débloquer de nouvelles compétences. Et à chaque fois, à chaque fin de combat, on obtient des petites choses qu'on a récupérées directement de nos adversaires. Donc ceci est plutôt intéressant. J'imagine que c'était juste une flèche pour nous indiquer où est-ce qu'on a été. Chaque point d'endurance octroie 5 de santé. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ça augmente la santé. Puis on bifurque sur une grande map comme celle-ci. Donc en fait on a visiblement trois points de vue. Quand on est dans des villages, dans des lieux spécifiques, quand on est sur la grande map, et il y aura des combats au tour à tour.
Et visiblement, il peut même y avoir du combat directement au sein de l'environnement dans lequel on était précédemment, puisque quand on a lu tout à l'heure la compétence de mon personnage féminin, on a pu voir que celui-ci pouvait taper plusieurs ennemis à la fois. Donc c'est probablement qu'on peut se faire attaquer en direct, entre guillemets. Allez, on décide d'aller les chercher. Alors moi je veux bien aller attaquer au nord, mais j'aime bien me bastonner pour gagner un peu d'XP avant. C'est important et ça permet d'apprivoiser aussi un peu mieux les méthodes de combat. Alors on l'a fait lui tout à l'heure, donc on va réserver l'attaque finale à... Alors je sais pas s'il m'empoisonne lui. Pour le moment, c'est pas le cas. Sur le côté en haut à gauche, vous voyez le tour à tour. Vous voyez qui va faire quoi dans. Alors, je vais finir de l'achever. Qui va attaquer en premier. Donc c'est plutôt intéressant pour ça. On peut reprocher ce système, mais il y en a qui n'aiment pas, j'imagine, ce système de combat où il faut attendre d'avoir achevé son adversaire. Il y a toujours la même petite mise en scène. Moi personnellement, ça ne me gêne en aucun cas. Tiens, on va aller de ce côté. Je trouve que ça fait toujours moins brouhaha que quand vous êtes attaqué de partout façon Diablo, mais j'aime les deux styles quand même, je m'étais bien régalé. Alors là, c'est plutôt intéressant parce que on a beaucoup de... Alors est-ce que ça... Ah ouais, ça va le faire qu'à lui, alors on va pas s'embêter. On va tester sur la petite araignée parce qu'on a trois adversaires. Ils sont plutôt badass d'ailleurs. Les personnages en général, mais aussi les adversaires. Tiens, mange! J'ai fait ça d'abord une attaque classique. L'araignée va taper ensuite. Ça va, il s'attaque à mon golem, en même temps c'est le plus gros. Ça m'arrange. Il a bien encaissé. Du coup, ça va nous permettre d'utiliser cette compétence ainsi que le tir de grenaille qu'on va faire par là. Ouh! Manja! Ça fait du mal! Carrément! Il l'a caillassé le bordel! Morsure fangeuse. Alors, faudra quand même que je fasse gaffe. On va utiliser la vague guérisseuse histoire de le calmer avec lui. Yeah. On va achever la chauve-souris des ruines. Voilà, nickel. Vous voyez quand même que la vague guérisseuse elle a fait du bien. Je vais utiliser parce que vous voyez cette compétence de surpuissance elle disparaît à la fin de chaque combat, donc autant l'utiliser. Il a quand même bien ramassé. On va le guérir. Et lui, on va lui envoyer un tir de grenaille. Ça suffira pas, mais. Mais tiens! Et si ça a suffi? Mais bien fait! Nickel! Donc, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer les possibilités que ça va représenter, puisqu'on va pouvoir passer de deux personnages à au moins 5, d'après ce que j'ai compris. Alors je sais pas s'il y aura une limite, putain on a récupéré pas mal d'objets. Je pense qu'on sera peut-être que 4 à chaque fois. Ah, une nouvelle tunique d'éclaireur, voyons voir. Ah bah elle est pas mal celle-là. Ah, je perds en puissance d'attaque, par contre en endurance, qui va me donner des points de santé en plus, comme vous le voyez, plus 30 en haut. Ça peut être intéressant. Allez, on prend le risque. De toute façon si on les chope, j'imagine qu'il y a... Il y a un intérêt à les utiliser tout de suite. Allez, combattons. J'ai quand même l'impression que c'est le petit bordel, la petite mousse à raser dégueulasse biochimique là, qui nous a le plus embêté. Donc on va s'attaquer à elle en direct live. Voilà. On va pas se ramasser un peu.
Ah, ça a atteint les deux, vous voyez, ça c'est plutôt intéressant. Il y a eu quand même un impact sur le sur l'adversaire. À noter pour plus tard. Hop, on l'achève tranquille. Voilà, comme ça on n'en parlera plus d'elle. Vu que j'utilise beaucoup mon soin, il va falloir que je pense à récupérer petit à petit de la surpuissance justement. Allez, on va essayer de voir ce que ça va donner. Voilà, ouais. Vous voyez, j'ai gagné plus 10, ça c'est pas mal. Et on les a torchés là-dessus. Il me rappelle un petit peu C16, j'ai l'impression. Hein, le Galibretto, il c'est l'ami des oiseaux. Le gros bestiaux, ils aiment bien faire ça de toute façon. Plus le mec est balèze, plus ça leur plaît. Alors on va récupérer ici des petites herbes et non pas des herbes qui n'existent pas. Des herbes médicinales. On a la possibilité de voir dans nos objets ce à quoi ça correspond. On aura la possibilité de les utiliser, de les revendre. Je pense qu'après on peut améliorer nos armes. Je dirais qu'elle bouge encore un peu, c'est un peu dégueulasse. Ok. Alors avant de... Ouais, si. Voilà, un nouveau personnage là-bas. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va récupérer le personnage. Imagine le mec qui répond non, pas du tout. Il est pas loin. お前は勇敢な子だ。だがな、お前の親父さんのことにどんな力が欠けているのだ。私、あ、するしかなかった。今回はな。つまり、ありがとう、という意味ですね。À chaque fois qu'il parle, lui, j'ai l'impression que mon casque, il a un problème de un problème de larcin. 何もない。この村は長いこと廃墟の死の地平線に光が見えるんだ。 Allez, on va aller bastonner à 3 du coup. Il est déjà niveau 2 lui, c'est plutôt intéressant du coup. Capacité jeu de jambes, un déplacement rapide qui évite les dégâts de piège et ajoute un immense bonus de attaque garrison s'il commence le combat avec cet effet, d'accord. Compétence de combat, parade, attaque rapide. Oh, il en a plein lui. Attaque tranchante, attaque de ralliement, lame de guerre. Lame de guerre, ça pompe, hein. En 42 surpuissance quand même. Ok, c'est bon à savoir. Allez, on va tester tout ça. Ça fait un petit peu violent de 3 contre 1, mais c'est pas grave. Ça me lâche. On va faire ça bien. La surpuissance est affichée en rouge près de votre jauge de mana. La surpuissance est générée lorsque vous utilisez des actions. La surpuissance est consommée à la place du mana et utilisée pour activer des effets bonus affectant certaines compétences. Elle disparaît après un combat, alors assurez-vous de l'utiliser tant que vous le pouvez. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tranquille, on va remonter là un peu notre. Vous voyez que ça augmente mon capital, mais ça l'augmente que le temps de la bataille, puisque tout à l'heure ça l'avait fait aussi. Alors lui, on va tester tout de suite. On va prendre quelque chose qui est très rapide. 34 de dégâts. Ah ouais, pas mal. Allez, on va tester l'attaque de ralliement. Ça me paraît pas mal. Appuyez longuement sur LT. Alors il faut toujours que je regarde ma touche, d'accord. Pour afficher plus d'informations sur les effets bonus et malus pendant le combat. Et ou dans un donjon. D'accord. Il commence à me sermonner alors qu'on a rien fait, tu sais. Yes, on passe niveau 2, nickel. En plus, on a débloqué bénédiction de la nature et point sismique. J'aime ça. Alors, on va repasser de ce côté maintenant. Alors, quand ils disent qu'on a débloqué ça, on a débloqué ça où? Compétence de combat. Ah ouais, point sismique. Inflige 29 de dégâts à une cible. Tandis que lui, il a débloqué... Bénédiction de la nature, pendant les 3 prochains tours, chaque fois qu'un allié subit des dégâts, il est soigné à hauteur de 3 de santé. Bien! J'aime que tu sois béni par la nature.
Allez, on va se battre pour récupérer un petit document. Ah, je vais tester direct, vous me connaissez. Ok, lui. On va tester, hein. Je suis là pour vous montrer quand même. Lui par contre on va être voilà, on va être prudent, on va le faire pour toute l'équipe. Ça c'est pas mal. Yes, tu vois, comme ça ça fait un bonus malus. Putain, ça l'a amoché. Ah, j'allais dire pendant, j'avais l'impression que ça avait disparu, mais en fait non, hein, c'est encore là. Nickel. La bénédiction de la nature, c'était 3 tours. On va tester le point sismique aussi sur lui. Quant à lui, on va peut-être pas s'enflammer. Attaque tranchante, si, allez, attaque tranchante. C'est pas mal. Voyons si on arrive à l'achever avec le dernier. Eh ben c'est bon, nickel. Cela pète un peu la Gulli là. Chaque fois ça me rappelle Ludovico. Pour ceux qui sont un peu fouteux. Eh, toucher de la nature, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une sorte d'artefact, attends. Je vais regarder tout de suite. Ah, un anneau qui renforce la constitution, tu vois, j'ai bien fait. Ah, je peux l'activer à n'importe lequel des trois. Ben moi je le fais pour elle. Parce que c'est mon personnage principal. Ok. Par contre je vois qu'il y a des niveaux. Niveau 3 ou autre. Alors est-ce que c'est déjà efficace? Ou est-ce que ça ne le sera qu'à partir du moment où j'ai le niveau 3? Je ne sais pas. Butengar, le retour du général. Une entrée de journal manuscrite a été griffonnée sur le parchemin. Le général Xavier est rentré des lignes de front hier soir. Il est rentré dans l'obscurité. Aussi peu ont eu l'occasion de bien le regarder, hormis pour rapporter qu'il semblait aller bien. Les guerres ailleurs ont été lourdes de conséquences sur la forteresse de fer. Nos rangs se sont éclaircis et notre défense et nos mesures défensives sont devenues laxistes. Je ne suis pas sûr que Ravenheart et même effectué son tour de garde hier soir, mais il m'a toujours paru être du genre paresseux. Ça devrait changer maintenant que Xavier est de retour parmi nous. Alors est-ce que c'est un Zermain dans l'âme et qu'en fait le mec s'appelle Xavier? Ou est-ce que c'est vraiment le nom du type? J'en sais rien. En tout cas, on en a chopé un, visiblement il y en a 4. Allez. Je peux pas atteindre là-bas manifestement, c'est bizarre. Herbe de la vallée, lame feuille, allez on avance. Peut-être que c'est un grand contournement, parce que j'ai pas l'impression que je pouvais y aller. On va essayer de faire que attaque rapide là de chacun. Ça devrait aller parce qu'il est quand même un peu... Quand même un petit peu dégueulasse celui-là. Il est loin d'avoir le level, donc ne gaspillons pas notre mana inutilement. Voilà, nickel. J'ai bien fait, un coup chacun ça suffit, il a pas le temps de nous attaquer, tout bénef. Vous voyez l'importance de regarder ce que vous avez gagné en fin de combat. Puisque ça nous a permis de faire une bonne découverte. Ah ouais, je peux pas y aller tant que j'ai une limite. Je suis obligé d'aller dans le petit village. Et effectivement, je vois une porte au nord, donc il va falloir aller de ce côté. L'accueil n'est pas très chaleureux. Mais on s'en fiche, on va frapper aux portes. Frappe à ta manière, Galibretto. Que signifie tout ceci? Ô grand dieu, un golem de guerre, c'est presque assez fascinant pour justifier que je vous consacre du temps. Et il a une gueule de... si vous avez aussi suivi le manga Tokyo Ghoul... Il a la gueule des mecs dans le restaurant, quoi. Et les Pierrot. Il a les masques des Pierrot. Bref. Je vous conseille. Tokyo Ghoul, c'est démoniaque. Et surtout les épisodes heureux, surtout. Bon, en tout cas, lui, il est pas aimable. Ça bat les couilles, il va taper ailleurs. C'est quoi, j'ai pas envie de taper là, parce que je vois qu'il y a un...
Là, il y a une auberge, ça m'intéresse. Alors, voir la marchandise, vendre des objets. Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Tourte à l'aile de chauve-souris de mémé. Ouais, putain, il n'y a pas plus pompeux. Combien j'ai de thunes? C'est surtout ça qui m'intéresse. J'en ai 136, d'accord. 136, je peux prendre de l'alcool, de la bière, du bouillon du pauvre. Ouais. Des petits vermisseaux. Ah, on peut pêcher visiblement avec une canne à pêche branlante. Déjà, tu l'achètes, elle est presque foutue, quoi. Ok, d'accord. Il y a des promos quand même sur la canne à pêche. Bon, on va voir ça. On va discuter un peu. On va se reposer pour essayer de regagner un petit regain d'énergie. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ok, elle a fait ça juste pour se la péter un peu en fait. D'accord. On va la faire en dernier celle-là, on va d'abord aller taper partout. Oh putain, elle a le style aussi. Tu m'as pas l'air tout à fait humaine toi, non? Quand elle parle des ennemis sauvages, je pense qu'elle parle des éléphants, des chauves-souris, ouais. Elle parle des bestiaux qui rôdent. Eh, sympa, elle nous offre un bestiaire, dis donc. Nickel. Il est où ce bestiaire? Ah, c'est quoi? C'est mes ordres de mission. Allons frapper à quelques portes, examiner la tour de l'enchanteresse, examiner la tente dressée. Ouais, il faut que je m'occupe de tout. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est nickel. C'est un petit peu le Pokédex de ce jeu, quoi. Alors, le bestiaire, c'est toujours important parce que ça te permet de voir à quoi ils sont vulnérables ou pas. D'accord. On peut apercevoir quelques silhouettes intéressantes d'ailleurs. Le livre des secrets. Un écriteau exécuté avec soin est suspendu sur une gargouille bien huilée sur la porte. Il indique sortie déjeuner. Arrachez l'écriteau et le jetez par terre dans la poussière. Eh non, quand même. Eh ouais, on va pas saccager le bordel. Le collectionneur, voilà la marchandise. L'âme du butin. Ah là, par contre, j'ai pas de pins là comme il voudrait. Je sais pas à quoi ça correspond. Ah ouais, lui carrément c'est les armements. Dommage. Comment on fait pour les obtenir? Ah ouais, quand même. Il vend beaucoup de choses, mais je suis inquiet d'avoir zéro. Je crois que c'est... Non. Bon. Bah ce sera tout, je peux rien prendre. Je sais pas quand est-ce que je les débloquerai. Allez, on va aller voir le dernier type du village. あんたがここの鍛冶屋か。おお。誰だ、おめえらは。初対面の客に対して随分。初対面だからここでの礼。おかげさまですぐに覚えられそうだ。おお。こんな見捨てられた島じゃ、面の皮厚くしねえとやっていけねえんだ。 腕っぷしも強くないとダメだ。見捨てられた島といえ、なんだってこんなところに来たんだ。飛行船で来たんだが、この近くで空賊に襲撃されたんだ。そんなこったろうな。空賊なんて立派なもんじゃねえけどな。奴らはただの山賊だ。でたらめだらけの悪党どもだが、このところかなり幅を利かせてやがる。山賊か。ボスは何者なんだ？ 山賊にまとめ役なんているもんか。ça paraît logique. と思ってたらよ、ここんところ様子がおかしいんだ。バラバラなあいつらが
どうも組織めいた動きをしやがる。なんか嫌な予感がするんだよ。実は連中との戦闘で仲間とはぐれちまったんだ。連中に拘束されているか、出なければ居場所は知っていると踏んでる。話だと？夜明けに下っ端の奴らが何人か来て騒ぎを起こしていったんだ。仲間を見つけたいんならそっちへ行ってみな。行くしかなさそうだな。なんかしていけばキャンプが見えてくるはずだよ。俺はここだ。Voilà, ce sera tout. On a bien papoté. Je te remercie, l'ami. C'est vrai qu'il avait pas l'air très très agréable. Donc, à mon avis, ils ont vite dû détaler les petits sagouins. Bon, bah, franchement, c'est pas mal. On peut être satisfait de ce début de jeu. On va pouvoir s'intéresser au sud maintenant. Ah, bah, je vois qu'on en a du matériel de pêche. Donc, ça va. Bon, bah, nickel. Voilà, ça c'est plutôt bien. Enfin, en tout cas, je sais pas si on l'a ou s'il faut l'avoir. Je vais regarder au nord, mais je pense que... Ouais, c'est mort ici. Alors peut-être que je peux la casser, mais j'ai des doutes. Il faudra que je retourne au sud. Si je vais... Alors on ira un peu. On pourra essayer d'aller à l'est. Mais honnêtement, j'en suis pas convaincu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les Kiki. Honnêtement, merci à vous d'avoir suivi ce live. J'espère que ce jeu vous fait envie. Si c'est le cas, je reproposerai quelques vidéos dessus. Je crois qu'il est sorti fin 2017, octobre ou quelque chose comme ça. Faut dire que je m'intéresse à plusieurs jeux en ce moment, donc peut-être que je m'embrouille dans les dates. Mais en tout cas, voilà, un jeu qui, moi, me ravit. J'y jouerai quoi qu'il arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à encourager ma démarche avec un maximum de pouces bleus et à me dire si vous le connaissez, si vous avez vous-même joué à ce jeu. Et puis voilà, on se retrouve bientôt sur ce jeu, COH et d'autres. Ciao, bye bye les kikis, la bise.